Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hop, et bonjour à toutes et à tous. J'ai plein de petits trucs, que... plein de petits réglages. Euh... Je vais allumer tout ça. Vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Bon, c'est pas une équipe qui gagne, c'est plus le SAR. Ouais, voilà, c'est juste que j'ai pas mis la, tous les raccourcis et compagnie sur mon, sur mon stream deck. Oui, je, je, je fais du live donc j'ai fait du stream deck avec. Voilà. Ah, bravo! <laughs> oui! C'est vachement pratique, Stream Deck. Et là, vu tout ce que j'ai à faire pour le pour Citizen Talk, la reprise du Citizen Talk, bah, je trouve que là, c'est deux fois plus utile que ce que je faisais avant. Tu m'étonnes. Déjà, je veux dire bonjour à tous ceux qui sont déjà euh, manifestés euh, Drexia, God of Chaos, Korn, Kalec. Coucou Kalec, du coup. Donc, bonjour à vous et j'espère que vous allez bien en ce début de dimanche après-midi. Bien, on va passer une petite heure ensemble et avec mes invités euh, que vous avez pu entendre avec Kiro. <laughs> salut Kiro. Et, coucou. et salut Sib Comment vas-tu Eh bien, très bien, écoute, comme un dimanche. Parfaitement, alors, on a Silky, on a Soyeux avec nous. Bonjour, Et toi. coucou tout le monde. Et bah, coucou Sib, comment est-ce que vous allez tous Bien, toi-même. Euh, bon, bah, écoute, euh, la nuit fut courte. Le réveil fut brutal. Mais ça va. Ah. va. J'ai presque envie de dire titre là, quand même. Titre, hein. <laughs> <laughs> oui, voilà. Mais bon. Oui, oh. ça, ça, ça reste un classique, on va dire. <laughs> voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. <laughs> et on a également un Derko avec nous. Salut Derko hein, Quoi hein ah, ah oui, lui il se ça réveille ça, aussi. Oui, bonjour. <laughs> à quelle heure ouais. j'habite Quand <laughs> vas-tu d'Erco Bah écoute ça va tranquillement et toi Ça va parfaitement. Tanté. Merci il fait soif. <laughs> Désolé j'ai pas ma, ma tasse de thé comme notre cher soyeux etc. Ah. Grossière erreur. Grossière pour erreur. j'ai pas fini mon café. Moi. Mais, j ai, j ai, mais bon, franchement, j'ai déjà goûté au thé j'aime pas du tout le thé. Mais bon, ce qui aime bien. J'ai pas goûté de bonté, si. ça. Oui, mais c'est ça. Il paraît que le, le thé, c'est jamais rien que de la soupe euh, améliorée. <laughs> donc bon, voilà. <laughs> et pourtant, c'est étonnant je de savoir du... que Sid manque de bonté. Ah, ah oh, putain. Ça se saurait si j'avais de la bonté. Enfin, oui, tu, tu es MJ donc sont... tu es cruel par définition wow, Voilà c'est ce que j'allais dire <laughs> Je me frotte les mains d'ailleurs vous voyez <laughs> euh, Bien donc comme j'ai dit ouais, Une heure avec vous yep. Puisque à 16h on va commencer vraiment le débat euh, Il nous manque deux personnes d'ailleurs euh, Pour le commencer euh, ce débat aussi En l'occurrence On a Snakem qui m'a dit Ouais je viens Et je l'attends toujours et <laughs> on a le maître de cérémonie qui est Audi et qui est pas présent euh, du coup euh, pour le moment. Je pense qu'il doit, se... il va arriver. Oui, il doit se, préparer. Je... Il doit se préparer, il doit préparer. En train de se faire ouais. tout beau, t'inquiète pas. Ouais, <laughs> je, ouais, ouais. Je, je me souviens quand même la, la dernière fois que, que j'ai croisé Audi, le pauvre, il était, euh, ben c'était à la Beacon et il était nerveusement ouais. en train de répéter son texte en faisant les 100 pas sur le. Sur le bord du, de la scène, donc euh, ouais, non, <laughs> ça ne m'étonnerait pas qu'il soit, euh, qu soit consciencieusement en train de se préparer. Ouais, je pense qu'au cas où, tu vois, euh, Snakem, euh, vu que j'ai son numéro, je pense que je lui enverrai un message tout à l'heure. Euh... <laughs> oh, comment tu Snakem. fais du stalking quoi, Mais moi, complètement Alors, je vais déjà commencer par une première nouvelle, mauvaise nouvelle d'ailleurs, euh, oui. parce que euh, vous voyez bien qu'il y a Kiro aujourd'hui. <laughs> oh la mauvaise nouvelle, non mais c'est qu -ce horrible que... quoi Out Alors, of pour... nowhere, qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai Kiro aujourd'hui euh... euh, C'est parce qu'en fait, je lui ai, euh, ai demandé, euh, sur le live de Siki, je lui ai demandé si voulait bien venir sur l'émission le... d'aujourd'hui. Je suis qu'un intérimaire. Bah, parce que c'était mon plan B, euh, voilà, parce qu'en fait Hawk OK ne pourra pas venir euh, aujourd'hui. Euh, les grosses chaleurs ont eu raison de son ordinateur et la dernière nouvelle j'ai pu lui, à, lui parler c'était euh... bah, c'est son proc qui, qui est mort ouf aïe. Ah, merde. Aïe. donc aïe, aïe, aïe. ça fait ça fait très très mal euh... voilà donc ça sera pour une prochaine fois Mais en attendant il y a Audi qui nous a rejoint ouais, et oui Audi! Donc, tu quoi as dit Audi. Absolument, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu Parfois enfin, pas trop mal. Bon. Pas trop mal, pas trop mal. Alors, euh, le temps que la, les caméras arrivent, tous à tous... Que ta caméra arrive, ouais. Euh... Non, c'est pas ça. faut que tu sais que ça, ta petite caméra. Je crois que c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ils sont bon. tous enfin en utilisé NVIDIA Broadcast. Euh, moi, je suis en mode de clodo à côté. Ah non, non mais t'inquiète, la même. Hein. Moi, c'est alors... x ah. Moi, c'est ah. Non, moi, c'est Logitech que j'utilise. Moi, moi c'est la cam brute euh, sans rien derrière. Il <laughs> ah. bah, y, y a toi quand même. Oui, ouais. Oui. Ça, même. ça joue. Ça joue. Je, je, je suis ravi de savoir que Pulsar était, euh, est sponsorisé par Super U et Decathlon. Ah bon C'est à cause des pubs qu'il y a entre les vidéos. Et... Ouais, en fait, Incroyable. Euh, ah. Le truc qu'il a, c'est que quand je veux vraiment euh, je ne peux être juste en voix off et laisser l'émission... Euh, animateur d'émission de Diodi, <coughs> euh, je pourrais gérer ça parce que. Euh, mais oui, euh... mais je sais bien, je te drôle. C'est tous les. <laughs> voilà, je, je me suis pas fait chier. Euh, je, je en même temps, je crois que tout le monde a le coup. Hein. Dès que tu essayes de regarder des vidéos en live, il euh, y a toujours un moment où tu te prends une pub parce que si tu si actives, alors ça dépend pas tous, mais la plupart des, euh, des, euh, des programmes anti-pub, eh ben, en fait, euh, ils, font, ils causent des problèmes avec Twitch. Ouais, mais en fait, le, mmh. le truc hier, c'est que sur mon, sur mon overlay, euh, toutes les vidéos, donc c'était tous les high candy que, que Audi a fait, euh, mmh. au lieu de toutes les télécharger, j'ai fait navigateur, YouTube, ouais, la Playlist, en fait, YouTube, la merci, playlist. bonsoir. Voilà, mmh. je me suis pas plus cassé la tête que ça. F faudrait qu'on qu'on te représente un plugin très intéressant euh, que, qui qui s'appelle Ublock. Ça peut être pas mal. Ouais. <laughs> Ublock, c'est vrai. Ublock, ouais. Sauf que Ublock. Ublock je origin c'est très bien. Je sais pas si Ublock fonctionne sur OBS. Ah bah de toute façon c'est ton navigateur, donc peu importe. Ça, non non c'est navigateur OBS. Ah oui, c'est ouais, directement par le ah, que tu okay. D'accord. Ah oui, ça, non, peut-être pas, non. Non, ah, non, clairement pas. Parce que pas là, pas je ne je, je fais pas tourner mon navigateur YouTube derrière, en fond. Hein. Ouais. Sinon, ça pompe trop de ressources et compagnie euh, en même temps. Euh, ça. Euh, comme j'ai dit, que, que, alors, comme vous pouvez voir, effectivement, on va fêter aussi les 50 du Citizen Talk. Parce qu'effectivement, le premier oh. Citizen Talk qu'on a commencé, oh. ça date... C'est ah, <laughs> oh, Oui, ça date... Hein. Ah, <laughs> ça mal ah, date. Ça, ça, oh ça... putain, ce petit coup de vieux vous êtes été être faire par Pulsar. Je crois. Ah, le petit coup d'yeux qu'on y piche. Ça, ça date du 27 juin 2017. C'est-à-dire que demain, on va oh. vraiment fêter les cinq bougies du Citizen Talk. C'est pour ça qu'il y a encore 15 ans avant l'entrée sortie Star Citizen. On y ouais, 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 ouais. Bon anniversaire, les oh, pires. Oh, on a encore le temps. <laughs> Meilleure euh, musique, Audi. Du coup, Amanda, euh, je vais te répondre. Papa Oc, Papi Hawk, qui va très bien, sauf que son proco, il est mort, donc on ne l'aura pas à l'émission ce soir. Donc, il oh, ce au il moins, il, oh, moi, il va mieux que son PC, c'est déjà ça. C'est ça. Ouais. <laughs> c'est le plus important. Exactement. Euh, du coup, le Citizen Talk aussi, euh, contrairement à avant, va va changer de formule. Ah euh, Qu'est-ce qui va se passer Le Citizen Talk avant c'était le mardi soir et ça durait deux heures. Maintenant ça va être le dimanche après-midi et ça va durer 3 heures. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui va changer. Et là je vais me faire un petit plaisir. Je vais vous afficher le plateau auquel okay, j'avais réfléchi pour le nouveau Citizen Talk. Ouh, nice. Donc, euh, vous avez la partie euh, Discord qui apparaît. Au-dessus, vous avez la partie animateur et moi qui est juste au-dessus, mais je ne serai plus en cam et ça sera à voix off. Par rapport à là où elle est, là ça, ch là, ça va changer. Ça a encore changé d'ailleurs euh, récemment. Je peux aller jusqu'à 6 invités du coup. Euh... pour des débats un peu plus euh, int euh, importants. Intéressant, sympa. Qui... Non, mais merci, merci, merci. Je l'ai entendu. <laughs> je l'ai entendu. Donc euh, voilà. Euh... Oui, parce que je me suis dit, avec ce plateau-là, c'est un plateau très épuré, comme vous pouvez voir, euh, je peux me permettre d'aller jusqu'à six invités. et Là où vous voyez marquer voix off, en fait, ça va pas être la voix off. Mais ça va être les questions qu'on va poser aux débatteurs. Euh, et vous allez les hmm. voir apparaître. Celles que l'animateur ah bah. va dire, elles ben, vont aussi apparaître. Oh, nice. Comme ça vous, ça, vous saurez à quel moment nous sommes. Et en même temps, derrière, pour nous, pour YouTube, pour les coupures qu'on a besoin Pour de YouTube, oui, euh, Ça dire. va être <laughs> vachement pratique. Voilà. Les chapitres. Les chapitres. <laughs> Voilà. Euh... Aussi, euh, je vous le dis, pour les cinq ans euh, du Citizen Talk, il va y avoir un petit cadeau que je vais vous offrir. Oula. Je vous en dirai un petit peu plus euh, dans quelques instants. Sachez que ça va être un... Au minimum, il y a un combo pack Star Citizen. Donc Star Citizen Noice. et Squadron 42. Et comme nous étions dans l'Alien Week, le compo pack il est un petit peu spécial. Oh. Audi, je crois que tu m'as refait l'image d'ailleurs que j'avais préparée euh, <laughs> Oui, totalement. Euh, J'ai oublié de le générer, mais en fait, elle est prête. Je vais juste te l'envoyer maintenant. Ouais, si enfin, je vais d'abord la générer. Euh, voilà. Donc, donc, donc. <laughs> non, viens, sur non, non, quelle <laughs> Non, non. Hop. <coughs> Alors, euh, pareil. Euh... Tu me diras, mon ch... Attends, où est-ce que je l'ai foutu Ah voilà. Et je t'ai envoyé un P parce que j'ai besoin de quelque chose. D'accord. Mon mot de passe pour Pornhub. Ah non. Ouais, ouais, ouais. ouais voilà. Parlera... Voilà, merde, fais ah, ça je merde. veux bien aussi. <laughs> <laughs> C'est pour la science. <laughs> euh, tiens, voilà. Dis-moi ce que t'en pense, mais euh, voilà, qui récapitule un tout petit peu hein, ce que tu prévois. Parfait. Ça te va excellent. Ouais, c'est parfait. C'est encore mieux que ce que j'avais en tête. Ouais, franchement, nickel. Eh ben, très bien. Ok. Euh... Bah, écoute, tu sais quoi Je vais récupérer... Je vais... Euh... l'image. Au passage, est-ce que tu veux... Enfin, est-ce que vous voulez le lien de la vie... du premier Citizen Talk Je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé, le oh tout premier Citizen Talk Grave. Eh oui, attendez Faut, tu, Alors, peux, tu peux le mettre euh... Dans le vocal textuel également ça. Donc euh, voilà Il y avait déjà Derko Il y avait déjà Derko, ben, en fait Derko, <laughs> c'est <l> <laughs> eh le parrain ouais. d'émission Eh oui en, en tout cas, c'est simple Der, Quand vous entendez Derko Maï avec Pussard C'est le parrain de quasiment toutes les émissions C'est le daron, c'est le daron Derko C'est aussi mais... que ça, avant, ça. Euh... Donc voilà c'est... Et... Au niveau euh, euh, du Citizen Talk, l'autre la... nouveauté qu'il va y avoir, c'est qu'avant on faisait une émission par mois. Et euh, finalement, une émission pour, euh, par mois, euh, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté Citizen Talk, c'est que ça devenait trop épuisant pour moi. Puisqu'on était quand même dans les de la création de Pussard à l'époque. Ah, Au début, oui, oh, en, en 2019. Euh, <laughs> je gérais, <Et> <laughs> gérais c'est qui, tu te rappelles, hein, on était au CA, a, je, oui. je gérais tout, quasiment toutes les réunions qui avaient à faire et compagnie, le Citizen Talk, le rendez-vous des citoyens. En fait, je me suis surchargé de travail. Et mmh. cette surcharge m'a vraiment pesé. Euh, et à un moment donné, j'ai fait bon. Euh, faut faut que je, que je stoppe un petit peu là-dessus. Et j'avais envie de retourner euh, faire une de mes passions. On en a parlé euh, tout à l'heure, ce qui est le jeu de rôle. Et du coup, mon Dieu, que ça fait du bien de reprendre, de refaire du, du jeu de rôle. D'ailleurs. Ah, C'est pas ah, moi qui vais te contredire. Il voilà. y a Amanda qui dit que ton son est un poil faible par rapport à tes collègues sur le ah, stream. Alors, mon son. Eh bien, écoute, je vais régler ça. Est-ce que mon audio. Est-ce que mon audio, mon audio, mon audio. Hop. Je vais le monter, voilà. Je vais le mettre là, et vous me dites si ça va mieux. Ouais, parce que mine de rien, cette année, en fait quand même les 10 ans du projet. Hein. T'as 5 ans du Citizen Talk, mais cette année, ouais. c'est aussi les 10 ans du projet. Hein. Ouais, 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 2012. 2012, 2012. alors je, je sais pas vous, mais tiens, ça, ça pourrait être intéressant ça, comme ça, ça, ça laisse le temps euh, possible de, de, de faire tout ce qu'il doit faire, Il mais ça en... d'arriver et à SnackM d'arriver, oui, bien sûr. Aussi. Et donc à cible ouais. de taper le, le texto qui permettra à SnackM d'arriver. Ouais. Euh, je crois que je vais même le faire dès maintenant, vous savez. Je, je, je me demandais, euh, vous avez pris le projet quand, vous parce que Moi, c'est pas compliqué. J'ai fêté les, les 7 ans, bordel. Oh. Euh, parce que, ah ben bah oui, oui, oui 1er, juin, 1er juin 2015. Mon, mon achat de pack, c'était le 1er juin. J'ai créé mon compte euh, la veille. J'ai passé toute une nuit à regarder des vidéos. Alors, à l'époque, euh, c'était les vidéos d'AlphaCast, parce qu'il y avait lui qui faisait des vidéos. Mmh. Euh, vidéo d'AlphaCast, entre autres, c'est comme ça que j'ai connu Derko aussi, hein, vidéo sur le multijoueur de Star Citizen. C'était, euh, une... je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais il me semble que c'était la première grosse vidéo dans laquelle tu apparaissais. Hein, euh, me ouais, oui, c'est ça, c'est ça. On a je fait me sens... plusieurs. Euh, en fait, on a fait, je crois, un total de 3 vidéos sur sa chaîne, hein, si j'ai pas de bêtises. Euh, Mais oui, oui il y on a eu plusieurs y a, après. Il y en a deux où on était lui et moi, où on était en avant-garde. Ouais. Ensuite, on a été avec un freelancer, je crois. Et puis ensuite, euh, la troisième, ça a été avec euh, des game team. Ouais. Et, euh, et on était en rotelator. Yes. Et il s'est amusé à couper le courant d'ailleurs pendant que j'étais au pilotage. Pour à d'échapper une quinzaine de pirates qui nous font dessus. <rire> Forcément. Voilà, <laughs> forcément. Donc ouais, perso, euh, perso 1er, juin, 1er juin 2015. Donc ouais, le, je, création du compte la veille, passer toute la nuit à regarder des vidéos, à essayer de comprendre le projet, de voir où est-ce que ça arrivait, et tout ça, tout ça, et puis ensuite, puis ensuite euh, craquer et prendre mon, prendre mon pack à ce moment-là. Voilà, voilà. <laughs> Donc moi, moi c c ça s'est passé à ce moment-là. Et donc vous, vous avez encore une petite idée Enfin, je, je pense que ça doit pouvoir se voir sur ouais, le. Tu, tu vas sur le site de CLG, tu cliques sur ton compte en haut à droite, tu vas dans Agar voilà. et tu fais la, la page la plus ancienne. Et moi, il est marqué 21 janvier 2014, avec toujours le même vaisseau, l'Avenger Stalker, avec accès à Star Citizen et Squad Alpha. Ah. Tu, tu, ah. tu que, que, que j'ai quand même moi quelque chose de encore plus vieux que vous. Je dois l'avoir quelque part. Hein. Je suis en train de, de, de sortir toutes mes archives. Voilà, est-ce est que Derko tu, est tu veux que je repartage ta toute première vidéo sur Star Citizen ou pas tant que ça Non, non <laughs> voilà. je, je, je veux vous montrer jeune quelque chose. <laughs> J'étais jeune et innocent, c'était l'époque où j'imaginais qu'un jeu se faisait en deux ans en fait. Ouais. Donc, euh, voilà. Naïf que nous étions. Euh, voilà. Vous, euh, je veux ça, ça pas mal en perspective. Hein. Voilà. C'est ma carte de citoyen. Ces cartes, elles sont quasiment oh, collector. Oui. Ouais, ah allez, allez, regardez là, 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 mon là. numéro, c'est un numéro à 5 chiffres. Ça c'est fort. Ça. Le 37, ah je ouais. suis le 37 millième, je suis 3704 citoyen dans Star Citizen et je suis, euh, je suis fondateur depuis le 15 octobre 2012. 2012, waouh. On voit, on voit on sur le nombre de citoyens déjà, parce que je sais. Que Alors, en, en fait, j'ai été regarder si tu vas donc sur ton compte, tu cliques directement sur ta photo de profil, direct. Et, euh, et en fait, il t'ouvre la page de compte, il te dit quand tu t'es. Enfin, euh, tu as la date de enlisting. Ouais. Et tu as le numéro euh, UE Citizen Record au-dessus. Ouais, non, moi c'est 366 335. Bah, à la 8, c'est vachement joli, ça va être 366. J'avais euh, Ouais, 365, bah, écoute, 355 plutôt, excusez-moi. 903 euh... 202 ça va merci Odi en 4 2500 et ça date du 11 novembre 2015 alors c'est très drôle pour le coup ça, devait, ça doit être la date d'inscription euh, à Star Citizen en tant que tel. Oui. parce que je me rappelle avoir miroité le jeu pendant facilement une année euh, à cause d'un vieux pote euh, avec qui euh, la vie nous a un petit peu séparés qui s'appelait Aldenia qui m'avait euh, à peu de choses près poussé vers Star Citizen en mode tu vas voir c'est incroyable j'étais en train de me dire non mais ce n'est pas possible c'est plusieurs jeux en un ce n'est pas possible ils vont, ils, vont, ils vont créer la lune les gars quoi et, euh, et je sais, pour le coup, que mon starter pack date de février 2016, parce que c'était un cadeau de Saint-Valentin de ma moitié. Oh. Donc j'ai souvenir de ça, <laughs> pour le coup. Excellent. Mm -hmm. Excellent, ouais. Une femme de goût qui m'avait offert euh, un Avenger, du coup. Ah bah, vraiment, elle a, elle a du goût, pour le coup. Ah, elle oui. a ah, beaucoup goût, ouais. Alors, Sachant qu'à l'époque, comme je disais, hein, c'était pas Avenger Stalker, c'était juste Avenger. Oui. Ouais. Ouais, ouais, et que ouais. c'était pas encore le Titan et le Warlock. Non, c'est vrai. 2016, euh, je me demande s'ils n'étaient pas déjà dispo, moi, de mon côté. Ah, je me rappelle vraiment. avoir choisi le titan. Alors, et ça, je reviens ici. D'ailleurs, bon, je dis une bêtise, c'était le stalker que j'avais pris, je l'ai transformé plus tard en titan. Pourtant, le titan coûte moins cher que le stalker. Oui, mais avec un melt, ce genre de choses. Ah, oui, oui. Ah, monsieur bon. fait jouer ses connexions. Ah, attends. À l'époque c'était encore faisable quoi. Maintenant, euh, maintenant ils vont juste te faire lol nope et puis c'est tout. Mais euh, à l'époque ouais il y avait encore moyen de gruger. Je dirais en... rien quand on fait de faire bleu mes connexions, hein, tu vois qu'on parle de mon nombre de récits. <laughs> oh, putain oui, c'est vrai que t'en as plus que moi, espèce de sagouin, quoi. Ben euh... parce que alors on avait euh, à l'époque de... Euh... Des trad live et des inside Star Citizen euh, où euh, on avait des invités. Euh, on avait Dayoum qui était passé euh, un soir, du coup, pour une émission euh, en tant qu'invité et euh, il y avait passé ses 20 000 euh, abonnés YouTube, je crois, à ce moment-là. Ouais. On avait ouais. poussé, on avait bourré autant que possible pour faire en sorte qu'il les passe. Et du coup, euh, il avait foutu mon code référal sous sa vidéo C'est quoi Star Citizen euh, Évidemment. Voilà. Et donc, donc t'es à combien euh... là alors attends, j'ai entendu voir, c'est absolument indécent. C'est absolument indécent, je suis à 130, 155 référal. Oh. Oh. C'est absolument ridicule. Je vais rien dire. Oui, non mais toi... Euh, toi euh, voilà. euh, non, mais, alors <laughs> si, par contre, je suis curieux. Je suis en vrai, curieux. oui. Moi je suis à 150. Bien. Je suis à 150, euh, ouais. Référal ouais, ou prospect, suis... on est d'accord, référal Référal, ouais, ouais, référal. oui, référal. Yes. Yes. Et, 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 à... et plus de prospects que ça. Classique. Je suis à 1764 référales et 800. Oh prospects. Oh, 1700! Oh. Ah. Il y a, a Nice Donc... la pète quand même. Hein. Je encore 200, encore Donc... 250 pour, pour le Javelin. Ah, écoute, euh, perso, mon grand, le truc que je rêve d'avoir, c'est l'accès au milieu de My High Club. Ça, c'est le délire. Javelin, rien n'affiche, mais l'accès, mais rien que pour le RP, en fait. Rien que pour le RP, ouais, l'accès au milieu de My High Club, c'est. Ouais. Je l'ai utilisé pour une vidéo d'ailleurs, au passage, j'ai mi mis le mail à Club. Pour une ah vidéo oui ouais? ouais. Oh, mais, ah, mais tu vois, voilà, 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 voilà. Il, il va. Il... Et j'avais tu... fait en sorte que euh, le barman, ce soit Bauer. <laughs> c'est Bauer, Bauer qui fait le doublage <laughs> du barman. Merveilleux. Excellent. Excellent. Et coucou Snakem est-ce que tu nous entends? Et coucou! Et c'est le ce et salut tout le monde Comment bah vas-tu bon, snacker bon, Bah bien, oh. ça fait plaisir. Ça va. Ça fait plaisir de t'entendre aussi. Ah oh bah la même... Ouais. La même... Ah, même je commençais à vous écouter euh, parler tous ensemble, remémorer les vieux souvenirs de... Ouais, ouais, <laughs> le Citizen de... ah, c'était ouais. un sacré début, puis euh, le Citizen Talk, comment on l'avait travaillé On avait travaillé avec, à l'époque avec Titi The Best, euh, Jasper, faire La Top, il euh, y avait You aussi dans l'équipe, euh, et il y avait Hawk d'ailleurs, qui nous a aidés aussi. Euh, on a établi un cahier des charges qu'il faudrait que je reprenne et qu'il faut que je remette à jour parce qu'il y a plein de choses à faire. Euh, Dans un qui n'est plus des émissions qui ne se font plus tous les mois, mais tous les trimestres. Voilà, euh, comme ça, ça me permettra vraiment le temps euh, d'un de travailler le document, deux d'avoir de le temps d'inviter. Les gens que j'ai besoin et de les avertir suffisamment à temps, parce que, exemple Silky ou Kiro qui sont ici présents, qui jouent au jeu de rôle et qui des fois le dimanche ne sont pas disponibles et parce qu'ils ont un calendrier déjà bien bien en place, ben bah, moi ça me permettra de leur dire "Hé, hey, vous voulez participer à l'émission Oui, bah, c'est à date. Vous pouvez vous organiser. Oui, voilà." Tout à fait, non mais tout à fait. C'est tout, tout, tout à fait, fait le, le, le truc et franchement euh, c'est vraiment la. la... La chose qui me permet euh, de... C'est vraiment quelque chose qui me permet de, de, de régler tout ça en fait. Bah, D'autant que, si, il me semble que bah, tu, tu, tu parlais du fait que tu as, as repris toi-même hein, le jeu de rôle, oui. euh, mais, euh, mais tu as aussi plein d'autres projets perso sur le côté, donc euh, c'est donc probablement nettement plus réaliste de, de voir ça que c'est. C'est vraiment beaucoup plus réaliste, et derrière, bah, j'ai vraiment besoin de ce, de ce laps de temps parce que ça demande quand même le, le Citizen Talk, ça quand même, demande quand même <coughs> du travail, et euh, au fil du temps je me suis aperçu que de faire tous les mois, ça me demandait beaucoup d'heures de travail, euh, sans compter les réunions, euh, parce qu'on en faisait quasiment tous les jours, j'en faisais moi quasiment tous les jours des réunions, euh, à gérer les différentes équipes que j'avais sous la main à l'époque, euh, ça m'a aidé, hein. attention, c'est pas un rep... c'est... Ah oui non mais, enfin, c'est juste... juste factuel quoi. Hein. C'est factuel, et euh, finalement <laughs> de, de faire tout ça, ben, au boulot, à mon travail, j'ai pu le valoriser, et j'ai ah, pu monter de 4 classes à ça. Donc, déjà, mmh, ouais, pu, pu, pu très, ça m'a ça vraiment aidé à ce niveau-là. J'ai encore des améliorations à faire, moi, au niveau de mon boulot, donc vie privée, mais je sais qu'au niveau de la gestion, la gestion des équipes, comment dire les choses, etc., euh, des fois, je suis peut-être un petit peu encore trop brut de pomme par moment auprès de mes équipés. <laughs> Mais euh, j'arrive quand même à tempérer et à retrouver comment lui, leur expliquer euh, de façon plus simple. Mais c est, c est, tu sais que c'est dingue, alors je vais, je vais un peu jeter des fleurs à plus ça pour le coup, mais j'en connais plusieurs qui, qui, ont, qui ont mis ça dans leur CV, qui ouais. ont été engagés, qui ont, lors d'entretien de, d'embauche, en ont parlé, tous les, enfin plusieurs, facilement cinq ou six personnes. Euh, J'ai encore eu quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça qui m'a demandé. Euh, s'il pouvait mettre mon, mon numéro de téléphone dans, enfin sur son CV en mode voilà, contacter la personne qui à l'époque était responsable pour lui, parce que voilà, il cherche du boulot et que ça va l'aider quoi. Donc euh, donc ouais, ah, ouais, ça dans le genre petite fierté perso, ça veut dire c'est un petit impact mais très euh, très personnel et ça fait plaisir quoi. Je peux confirmer, hein, je l'ai fait valoir au niveau de ma formation et c'est aussi ce qui m'a permis d'obtenir mon diplôme et mon emploi. Ben voilà. Mon dernier voilà. Emploi, voilà. la même chose. Voilà. C'est vrai. Voilà. Vous aussi, faites-vous valoriser par Pulsar. C'est grave. Ah, C'est <laughs> vrai. Si tu arrête, hein. un CV que tu as participé à une association comme celle-ci, tu montres les événements que tu auxquels, enfin, que as participé à mettre en place mm -hmm. et puis le, la régularité d'un travail de fond. Euh, quelle que soit la structure dans laquelle tu, tu as fait ça, non, c est, c est, il faut le valoriser. Val C'est valorisant. Complètement, ça ouais, marche bien. Complètement. Alors, comme vous pouvez voir, je suis en train de régler toutes les caméras. Ouais, et je vois que tu es en train de me distordre bien comme <laughs> il faut. Ouais, là. voilà, je en plus. J'espère que tu as apprécié vu ça. Oh, mais j'ai apprécié. Là, oh là bon j'ai vu dans toutes les tailles ma, ma face là, sur l'autre stream. là. C'est. <laughs> je profite. Voilà. Après, euh, je ne pas vous mettre un coup de vue, hein, messieurs, mais euh, si vous voulez savoir depuis combien de temps ça fait que cette aventure dure, j'ai une preuve physique. Hein. Ça, oh mon dieu. Alors, quand tu dis preuve physique, ça fait peur en fait. Si tu préfères. Toi aussi tu vas toi, toi aussi tu comme tu Pardon. Voilà. <laughs> tu vas essayer, tout va bien. <laughs> preuve physique, tu avais pensé à ça Bah écoute, merci Pierre Chabrier pour cette <laughs> <rien. C> <laughs> Alors, oui, je me suis je... ouais, je suis tiré mais je je resterai pas l'entendre, dans... enfin. Normalement, je suis pas censé rester longtemps, j'avais dit une heure, pas plus. Donc, euh, voilà. Alors. Mais du coup, euh, juste comme ça, l'overlay, c'est aussi pour se remémorer les, les anciens jours... Euh... En fait, tu vois, alors, très récemment, l'overlay, là, là c'est l'image de mon plateau. Et en fait, ça m'aide à me guider pour pouvoir vous mettre en caméra. Et une fois que j'ai mis toutes les caméras et que j'ai mis tous les trucs... Il y a d'autres petites, petites choses qui, qui, qui vont apparaître d'ailleurs sous vos écrans. Ouais, euh... tu, tu sais ce qui me stresse avec, ce, avec ce, cette espèce de blueprint ouais C'est vraiment que un blueprint que... pour le coup, oui. C'est ouais. que c'est le bleu du Blue Skin of the Death et, et ça me enfin, Chaque et fois que je, je vois le bleu, je... <laughs> ah, c'est complètement le DSOD. Des... Bah ça te fout le cafard, quoi. C'est ça, ça le, <laughs> le petit SD des gamers. <laughs> ah, punaise, quoi. Je crois que page, de, de manière. C'est pavlovien, tu sais. T'as tu, as, as la petite goutte de sueur. Quand tu vois ce bleu-là, peu importe où tu vas, ah, ah, non C'est voilà, <laughs> horrible. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Et t'as Nazer enfin... qui dit c'est un stream sur le rétro gaming. <laughs> ouais. Bah oui, bah oui, 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 oui complètement. Euh, Star Citizen a 10 ans. Est-ce que ça commence pas à être rétro Un peu. <laughs> un ça peu. se défend, ça se défend. Alors, c est, c est, c est, petit truc pour toi, Sib euh, si tu veux, parce que c'est un, ouais. un, un petit truc à la con, mais qui a changé ma vie, ouais. c'est que euh, sur OBS, ouais. quand tu veux, par exemple, resize des caméras, ouais. si tu appuies sur Alt en même temps, ouais. tu coupes, tu coupes ta caméra. Ouais. Ah ouais. Ça et ça ouais. c'est bien. Ouais, ouais, ça les crop. Ouais. Ça, ça les bien. Ouais. Ça les crop et c'est juste ah bien ouais, en fait. Je, pour éviter la déformation, pour... c'est ouais. c'est tellement bien. Mais c'est présent sur d'autres euh, logiciels. Euh, ah c'est possible ça. Pour... Oui. Genre oh, je ça suis de... contrôle qui perd le ah, resize. Contre, euh... je... Ah ouais. Pourquoi il a comme ça je sais plus. Je suis, je, suis, je, je suis déjà tout content de connaître un raccourci sur un programme. <rire> Monsieur <rire> technique du là Ah ça. Alors Donc euh, ouais, j'avoue que... Ça, pourquoi il apparaît pas J'ai un problème d'apparition pour... Et, être... et toi, Snakem, tu... Toi tu as pledgé quand, Star Citizen J'ai pledgé fin 2015. Fin 2015. Mais euh, pareil que qui je vous écoutais hein, pendant que j'étais en train de tenter de connecter ma caméra. <laughs> Et euh, dans le sens où, euh, ouais, ce qui m'a fait euh, vraiment... Qui a atti ouais, attisé ma curiosité cette année-là, c'était euh, effectivement les, les vidéos d'AlphaCast. Et après, euh, j'ai commencé à voir un peu plus avec euh, euh, les vidéos euh, bah de... Star Pirate News, à l'époque. Mm -hmm. euh, ce que faisait DERCO, ce que faisait à peu près euh, toute la communauté. Mais surtout, ouais, j'ai commencé à engranger entre fin 2015 et dans les six premiers mois. À partir de ce moment-là, j'ai engrangé euh, je sais pas combien de, de données euh, sur le lore, les, les photos, les vidéos. J'arrêtais pas de creuser ça. Et après, j'ai euh, intégré euh, la, la 306 pour voir l'organisation de la, euh, la 306e qui était euh, du coup. Euh, ce qui était euh, l'organisation liée à Star Pirate News à l'époque juste pour voir véritablement comment ça se passait dans une organisation euh, qu'est-ce qu'il y avait en plus à partir mmh. du moment où tu franchissais ce pas-là et euh, ça s'est révélé euh, hyper euh, hyper intéressant et euh, c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit euh, chez Star Pirate News et, et après je 42 bref la suite eh c'est ouais. l'histoire mais, mais ouais, d'abord D'abord, t'avais fait les vidéos, t'avais fait, de... fait les vidéos sur les différents mondes des studios. Bah, en fait, les... ça, c'était au départ des articles que je faisais sur euh, le forum de la 306. Donc C'est ouais. juste qu'il y avait euh, pas mal de monde qui me demandait de faire des vidéos de ça. Donc, ouais. j'ai fini par faire les vidéos. Et ouais, tout de suite, ça s'est enchaîné après avec euh, l'intégration de l'équipe euh, Star Pirate News et euh, mmh. de là ça a été c'est devenu l'activité principale autour de Star Citizen pour moi hein. véritablement mmh. l'année 2017 malgré le fait <laughs> qu'on soit retrouvé dans un retournement de communication de la part de CIG en mode oh, oui <laughs> ça, 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 ça a été je crois que ça a été historiquement la pire des années euh... ah, ça ah, c'était communication c'est vrai que ça a été désastreux en même temps ah, il y, il y, y a eu, eu beaucoup de travail G, à faire depuis hein. le début euh, c'est l'angoisse hein. oui ouais. Il y a beaucoup de travail à faire et ce n'est pas encore parfait. Hein. CG et la communication, d'ailleurs, on a eu un débat dessus, ça, 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 pas, ça a toujours été un, un gros bordel pour eux. Hein. Mm -hmm. Et ça a toujours ouais, été. Clairement. Bah, surtout euh, que eux, elle est constante en plus. Hein, ce euh, n'est pas, hein. pas juste ponctuel euh, en laissant un temps pour les gens euh, pour euh, ouais. s'impliquer ouais. un petit peu et, et réfléchir à tout ça. Non, non c'est constant. Donc, ce n'est pas forcément une perspective qu'on a l'habitude d'avoir. Ouais. Ouais. Même si ces dernières années... Il y a toujours eu des polémiques et des dramas par rapport à la com, mais voilà, ça s'est calmé. Mais... Non, il mais... est triste surtout. Même s'ils font des mauvais choix de temps en temps, que, ce que certains pourraient considérer comme des mauvais choix, en fait, c'est euh, quand même euh, bien mieux réfléchi qu'à qu certaines époques. Non, on oui, se retrouve dans mais un truc. Il n'empêche que ça reste très hasardeux. Autant, par exemple, je vais prendre un truc qui est assez récent et qui a impacté directement Audi, et toi, Snackham, d'ailleurs, aussi passage. Le Reroff de la roadmap, moi c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, le fait que la roadmap soit réduite à mise à jour plus 1 en termes de visibilité. Ouais. Mais mmh. la façon qu'ils ont eu d'expliquer le pourquoi du comment ils ont fait ça, oh, c'était plus maladroit. Là, là où je suis oui. d'accord sur cette mise à jour là, c'est qu'on voit énormément de personnes. Enfin, moi mmh. j'ai pu voir effectivement qu'il y avait pas mal de monde qui réagissait euh, sans intégrer forcément les, euh, les, les informations tel que CIG, euh, les présenter véritablement typiquement euh, t'as tu beaucoup de monde qui s'est précipité même sur les derniers mois là avec les derniers effets de communication CIG, il y a beaucoup de monde qui intègre encore l'idée que euh, bah, le le server meshing c'est juste là c'est bon ça va être prêt on va pouvoir euh, c'est bon il y a encore beaucoup de monde qui loupe euh, l'idée que euh, l'IA euh, c'est encore il y a encore du gros travail derrière on est très loin de, du résultat attendu, ne serait-ce que pour Scranton de force et tout. Euh, et ça, c'est des choses sur lesquelles ouais, la communauté revient régulièrement. CIG refait des points, mais c'est euh, toujours confus parce qu'il y a toujours un effet d'annonce qui, euh, qui englobe le tout et qui fait euh, soit créer des espoirs. Soit, euh, soit un manque de communication clair, quoi. Mmh. tout simplement. Après, un qui dit euh, la fin d'année 2021 catastrophique. Euh, si ça peut te rassurer, dans un sens, ce n'était pas la plus catastrophique dans l'histoire de CIG. Hein. Te... Ouais. C'est vrai en... qu'il y a eu des problèmes, surtout avec le calendrier de l'avant. Mais c'est vraiment même ouais, la ouais, plus catastrophique le... du monde, hein, franchement. Ce <laughs> n'était à... pas génial, mais voilà, il y a vraiment bien pire, bien pire. pire, pire. Ça, je, je pense peux... qu'il y en a qui font aussi référence à la sitcom 2021, qui au final était un gros ISC. Il y a beaucoup ouais. de personnes qui s'attendaient à beaucoup euh, de, 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 de poudre aux yeux au final. Ouais. Euh, et il suffisait de voir le, euh, le planning qu'ils avaient mis en place par rapport à, à la Star, enfin à la Citizen Con pour savoir que euh, on allait pratiquement pas avoir d'image du jeu quoi. Mmh. Euh, et moi, quand ils ont proposé le, le planning euh, directement, je me suis dit il va y avoir des personnes qui vont chialer, qui vont. Qui ouais, vont euh, au moins pour la suite des mais... icônes de cette année, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Il n'y a pas de démo, c'est déjà ça, oui. Voilà, on le sait maintenant. Ouais, mais ça, il empêche oui. quand même que ça va râler. Ça, je, ah oui, je non, non, bien sûr. En fait. Je veux bien me couper la couille droite s'il n'y a pas <laughs> un seul drame autour de ça. Ah, écoute, bah, ça m'intéresse, on se donne rendez-vous ah, Non, non, <laughs> euh, <bien rire> s'il vous plaît. <laughs> mais juste parenthèse par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport à la roadmap, etc. Et par rapport au fait qu'il y a pas mal de personnes qui. Soit ne comprennent pas, soit ne veulent pas comprendre, et ça, je pense que c'est plus problématique les personnes qui ne veulent pas comprendre, que ce qui était présenté sur la roadmap, ce n'était pas des promesses, mais c'était des objectifs internes qu'ils mettaient aux yeux de tous. Mmh. Euh, et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a carrément des créateurs de contenu, euh, notamment un en particulier auquel je pense, dont je ne donnerai pas le pseudo, mais que je surnomme le répurgateur parce que je trouve que son, son pseudo fait penser à ça, <laughs> euh, qui fait littéralement de la désinformation par rapport à ça. Alors, ne jamais prêter à la malveillance qu'on peut expliquer par l'incompétence, et j'espère oui. vraiment que c'est juste un putain d'incompétent. Euh, et en fait, dans ses vidéos, euh, notamment une vidéo où il dit « Qu'est-ce qu'on peut attendre de Star Citizen 2023 ?» Il part du postulat que, sur le Progress Tracker, si une feature est marquée « Terminée Q1 2023 », elle a intégré « Q2 2023 ». Ça, c'est la désinformation. Et quand il y a, y a, y a rien qui permet d'affirmer ça, à que... la C'est ça. Strictement On rien. essaie de lui pointer du doigt que c'est faux. Bah, il supprime ton commentaire. Donc euh, le mec, euh, si vous jamais vous tombez dessus, euh, je, comme je le disais, je vais pas donner son pseudo, mais je vais vous donner quelques petits indices pour pouvoir euh, l'identifier. Il euh, y a plus de flèches sur ses miniatures que euh, dans une partie de DDR en partie expert. <laughs> Et euh, son avatar est une loutre. Voilà. À partir de là. Alors c'est. Alors, alors. Alors, je, loot, je ne suis pas d'accord, l'avatar qui est une loutre, je ne suis pas d'accord, les loutres, c'est cool. Je suis d'accord avec toi, les loutres, c'est cool. C'est pas bien de faire ça. Euh, voilà. Mais après, Quand ça, tu veux parler <laughs> des Black Hatters Non, les Black Hatters, <laughs> sont fait <le rire> très très bon travail pour le coup. Ils sont très les très cool. Black Hatters, <laughs> <sont> le très, <laughs> très très bon travail. Je à oh, super stand euh, à la Beacon, les Black Hatters. Ouais. Encore joli. Très sympa, oui. Et pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, Derko, c'est là où plus on avance dans le temps. Plus on voit que euh, au vu de la diversité des, des profils et des gens qui, euh, qui se ramènent autour de ce projet, et au vu du nombre en fait de personnes qui se ramènent autour de ce projet, euh, pareil, hein, le, le nombre de, de personnes qui font des vidéos, qui ont streamé, bah, ça, ça continue de... Euh, ça continue de gonfler, même si Même ouais. euh, si t'as toujours des gens qui finissent par, euh, par arrêter au bout d'un moment, etc. Il y a toujours un roulement en fait, dans les personnes qui présentent des choses sources Star Citizen. Et euh, forcément, ce n'est pas les mêmes niveaux de, de compréhension du projet dans son ensemble, dans le détail. Il y a, il y a tout un tas d'informations qui... Euh, enfin, tu regardes le, 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 le lot, le lot d'informations qu'on a tous, euh, qu tous euh, absorbées depuis le, le, le début de, de nous arriver sur le projet. Euh, ouais, c'est pas quelque chose que tu euh, que tu intègres comme ça euh, en, en l'espace de en moins de six mois en fait. Bah, c'est impossible de digérer euh, bah, quoi quasiment dix ans d'informations, même si certaines ne sont plus valides. Euh, Et, mais euh, mais... Bah, après, tout dépend pour le streamer, pour euh, le vidéaste, quel type de narration il veut faire autour, euh, comment il veut se présenter autour de ça. Euh, c'est euh... qu'est-ce bah, qu'il retient véritablement ça, vais, de ces vais... informations-là? Par rapport à ça, moi, je vais modérer. Je vais faire un, un comparatif entre deux créateurs de contenu. Ce fameux créateur de contenu dont je parlais, qui fait que des vidéos sur Star Citizen depuis assez peu de temps au final, mais qui fait un rythme assez soutenu, c'est une vidéo tous les deux jours, mais qui a un condensé de merde. Hein, Excusez-moi le terme. Mm -hmm. euh, et euh, et l'autre côté, on a joueur du grenier qui le temps en temps fait du contenu sur Star Citizen, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Ouais. Le truc, c'est que joueur du grenier, ben, il a il a plein de trucs à gérer à côté. Euh, il a une tétrachie de jeux à, à gérer mmh. pour le contenu qu'il fait sur YouTube de façon générale, plus <coughs> derrière qu'il doit réussir à gérer également. Euh, il a un travail qui est... Je, je, je pense qu'il compte même pas ses heures, mais ça m'étonnerait même pas qu'il dépasse allègrement les 60 heures de boulot par semaine. Bah, et puis chef d'entreprise, euh, donc, de toute façon. Hein. Voilà, dans tous les cas. Donc, lui, on peut pas lui tenir rigueur, en fait, de des fois les imprécisions qu'il pouvait apporter dans ses, dans ses vidéos notamment sur le, euh, les journaux de bord euh, je sais pas si vous vous rappelez il avait fait une série de vidéos sur Star Citizen ah ouais. qui présentait les avancées de chaque mise à jour Pourquoi puis ensuite il les a passer. Euh, lui on peut pas en tenir rigueur, par contre quelqu'un qui se spécialise sur Star Citizen dès le début euh, bah juste t'as pas le droit d'erreur, surtout que là c'est une personne qui par rapport à ce fameux créateur de contenu dont je tairai le nom euh, qui essaye en fait de percer avec ça en faisant du putaclic, putacier faux du début à la fin avec un contenu pour inonder le truc et t'es en mode mec mais en fait tu, tu desserres plus qu'autre chose la visibilité sur le projet ouais. et là, pour le coup c'est vraiment condamnable c'est presque facile de juger l'intention de la personne même si c'est pas forcément le but hein, mais euh, de là à supposer que le, le créateur dont tu parles soit là juste parce que il bah, y a une mouvance qui se fait de plus en plus présente vis-à-vis -vis de Star Citizen, parce qu'au fur et à mesure des mises à jour, il y a de plus en plus de monde qui réalise que, disons, il y a un truc avec Star Citizen. Voilà, ça, ça, ça sert sur une vague finalement. Puis J'ai envie de dire, peut-on vraiment reprocher à un, un créateur de contenu ce que la presse généraliste fait ah Oui, hein oui. <laughs> clairement. Mais la presse généraliste, comme toujours, moi j'ai toujours combattu euh, la médiocrité des journaleux. Peut, On peut trouver sur internet. Il y a, il y a très rarement des, des articles qui sont corrects. Ouais, Sortie sorti de, alors je vais, je vais je, ils vont frapper encore mais de Millennium. Enfin euh, <laughs> c'est plus Millennium, mais voilà. Mais waouh, wow, je... MGG. MGG, oui, pardon, voilà, c'est ça. MGG maintenant, C'est compliqué quand même d'avoir des vraies infos avec une vraie équipe qui prend soin d'eux et qui est vraiment dédiée à ça. En fait oui c'est complètement ben bah, en fait c'est irréalisable il, y a... il y a aucun aucune possibilité de rentabilité euh, sur ce type de créneau là aujourd'hui il, euh, il devrait il devrait affecter un journaliste rien pour rien pour suivre star citizen 24 7 quoi absolument non c'est irréalisable c'est pas faisable mais tu as ici et là des, des journalistes qui ont euh... qui ont mis les mains dans le jeu, qui ont quand même euh, un petit peu de bouteille maintenant autour de Star Citizen, mais qui sont pas forcément ceux qui vont parler de Star Citizen parce que euh, euh, parce que c'est pas encore un jeu fini que la plupart ont je sais pas combien de, de jeux à suivre déjà qui sortent oui. chaque année donc c'est pas, pas encore le créneau Star Citizen on pouvait le, et là on revient sur le, la communication CIG c'est que quand tu reprends 2016 notamment euh, ouais, tu... on pouvait voir un essor euh, d'intérêt de... de la part de, euh, de... de médias-jeux vidéo autour... autour du titre. De... Mmh. 2016-2017, ça n'arrêtait pas. Et parce que tout simplement la CIG euh, était à tel point que euh, on pouvait croire effectivement que le jeu allait sortir euh, dans... Dans, les... De... dans les années qui allaient venir, mais vraiment toutes proches. Et euh, on s'est tous fait avoir Il au jeu, hein, cette communication-là qui a été, euh, encore une fois, hasardeuse. Mais du coup... Euh, depuis quelques années, c'est euh, tout un tas de personnes qui se sont rétractées, justement, euh, qui ont mis un peu de recul. Et euh, c'est peut-être des connaissances qu'on reverra ressurgir, mais euh, qu'au moment où Star Citizen euh, euh, sortira. Sans, sans, sans forcément parler de ça par rapport à la qualité des journaliers qu'on peut trouver sur, sur Internet par rapport à Star Citizen, euh, je vais vous rappeler juste un article. Euh, qui je vais juste donner le nom du, euh, du papier Forbes. Donc ouais, en, soi, ça, oui. en soi, ils ont fait un article où ils ont sorti euh, des chiffres qui étaient pas forcément justifiés, euh, qui n'étaient pas forcément réels. Mm -hmm. Et le problème, c'est que ben tu tapais un article sur, fin, tu cherchais un article sur Star Citizen sur la dernière semaine qui était publiée, tous les articles, sans exception, sans aucune exception, ressortaient rigoureusement, exactement les mêmes chiffres qui étaient faux. Ouais, donc là, on est sur un manque cruel de vérification des sources et oui. c'est contraire au système de journaliste, enfin au, au principe d'être un journaliste. Il y a deux semaines, pas plus tard qu'il y a deux semaines, il y a un joueur qui m'a dit Je suis tombé sur un article de Star Citizen euh, où, euh, où il parle donc d'un ben, article sur Star Citizen et euh, je me rappelle plus exactement les chiffres, mais grosso modo, il disait qu'il y avait 20 millions de joueurs qui étaient présents sur Star Citizen. Et là, je fais. Pardon, c est, c est, je parle de ça, c'était les trois premières lignes. Trois, oh, trois premières lignes. Je fais, attends, wait, what? Donc, je, je regarde, je, je, en direct, hein, j'ouvre la page de CIG, je vais sur Founding. Mais oui, donc, en plus. il y avait euh, 4 millions et demi de comptes créés. Euh, CIG a expliqué en plus quelques semaines auparavant qu'il y avait euh, 2 millions de joueurs uniques qui s'étaient connectés sur Star Citizen en 2021. D'où sortent ces 20 millions? <laughs> 000... Enfin. Et pareil, en termes de financement, il parlait de, je crois, euh, 50 millions de dollars. Tu fais quoi Sur la même page, tu vois qu'il y a marqué 450 millions de dollars. Enfin, C'est quoi tes chiffres Et derrière, là où c'était totalement parti en cabrette, c'est que le, le, sur le même article, le paragraphe suivant enchaîné sur Escape from Tarkov. Oh là, oui, d'accord. Et là, tu en un doble. Ok, paragraphe suivant, Eve Line. Hein <laughs> Et là, t'es en mode, c'est de la merde. <laughs> <laughs> t'en as hein t'en as tous six mois d'un article comme ça. T'inquiète pas, <laughs> c'est ce un autre article aussi euh, de. Je sais plus quel, quel site de spécialisé de jeux vidéo où euh, ils étaient en train de dire que euh, le plus le DSC le plus cher du monde le plus du monde et de vingt 000 euros il était parfait et était le, en fait c'était le pack de euh, Legatus de, de mémoire ah, ah non mais euh, c'est ça C'est fameux DLC. Et, et ce genre d'infos en plus est repris, bon, sous le temps de la blague quand même. Et par exemple, je crois que j'avais vu ça dans un replay. Vous savez, là, il y a maintenant un petit peu le cercle du lundi, là, avec JDG, Mintos, ouais. Zera, etc. Mm. Et euh, pendant un replay, j'avais vu le truc de, tu vois, qui Mintos, qui sous le temps de la blague, qui, parce qu'il parlait tout d'un coup de Star Citizen, parce qu'il y avait un truc dans l'espace, machin, et disait, tu hey, t'as vu le DLC le plus cher, 40 000 dollars, machin <laughs> c c était, c était, Bon, pour euh... Je crois que c'était Dayum, qui... Dayum ou Yugo Liswar qui, euh, qui avait fait un truc qui était exceptionnel. Il y avait IGN qui avait sorti un, un article par rapport um, au Legatus Pack en mode euh, ⁇ Il coûte 000... Pour jouer à ce jeu, il faut, jouer, il faut débrasser 27 000 mmh. euh, Je ne sais plus Dayum ou Yugo Liswar, donc euh, si jamais il y en a un de vous qui voit, qui réclame sa paternité, qui a mis en titre de stream sur Star Citizen ⁇ Ce jeu vaut 27 000 selon IGN. <laughs> J'ai trouvé ça joli. <laughs> Selon Hygene, ouais, ça doit très bien, c'est une bonne formule. Masterclass. Ouais. Alors ah maintenant, la mode maintenant, c'est c'est que Star Citizen n'existera plus en 2023 grâce à Starfield. Ah oui. Ah oui. Euh, un ouais, un ouais, Star il ouais, y, y en a. qui ah, Il ferait, il ferait ah, beau hein. voir, hein Il ferait franchement beau voir, mais bon, écoute, euh... on verra. Hein. <rire> bah, bah, <rire> Wait ouais. and see, hein. <laughs> Exactement. Bah écoute, ça... avec, avec tout le respect que j'ai pour Bethesda, lol. Ah, et puis c'est pas le même que, type de euh, jeu de toute façon. J'aime beaucoup Bethesda, les... ouais, mais de toute façon, c'est les que... joueurs qui finiront le jeu donc à partir de là. C'est ce que j'avais dit, hein. c'est vrai qu'un jeu solo euh, sur lequel euh, le gars qui est à la tête de, de Bethesda a clairement dit qu'il n'y aurait pas de, de vol sans transition et qu'on va eh oui. réellement se balader à la surface de toute la, la planète, qu'on aurait des landing zones prédéfinies. Euh, mm -hmm. donc un jeu solo, je rappelle, hein, eh ouais, avec oui. un système de, de leveling et d'arbre de compétences. C'est vrai que ça va concurrencer directement à un jeu massivement multijoueur, sans temps de chargement visible, etc. Sur lequel on peut se balader sur tous les astres, etc. Mmh. Avec une euh, tétra qui euh, Il, il, avait, il avait de. de que... et tout ça, il, il, avait, il avait dit uh, que. Il avait dit, à qu'il y aurait des landing zones prédéfinies bah, il, suffit de regarder le, il suffit de regarder le, 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 le gameplay qui a été présenté par, par Bethesda à ce moment-là. Hein. Tu regardes en fait bah... la map. Et du changement de map. Tu regardes as, as la map, mais... tu, tu regardes, as le, la, tu as la, la planète qui est, qui est visible, et tu as en fait des petits losanges, et en fait tu as marqué Landing. Alors, as mmh, oui. Landing. Fais... Ah, mais après c'est logique, mais on est vraiment sur un, sur un RPG euh, version. Euh, enfin, c'est Skyrim dans l'espace. C'est complètement qui est, Skyrim dans l'espace. Oui. Mmh. Donc oui. au bout d'un moment, on peut pas comparer ce qui est pas comparable, les projets sont différents. Les, 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 les volontés sont différentes sur, euh, sur les deux projets et c'est normal. Le truc qui est fort, c'est que en fait les gens ont tendance à comparer euh, non pas les, les types de projets, mais les suivant. Ils, on a les tendance à comparer sort. suivant la thématique, ouais. Oui. Ouais. Euh, mais tout simplement parce que ce sont deux The Space Opera euh, dans, dans l'espace, dans des euh, centaines d'années. Euh, tout le monde tout le monde la met, dans la, met les deux projets dans la même catégorie. C'est pas du tout, euh, pas du tout cohérent. Mais c'est aussi le, 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 le point positif avec Star Citizen, c'est que tu finis par comprendre le, les rouages de tels projets là où euh, on remonte tous euh, avant 2012. Ouais, moi j'étais comme Derko, hein, je pensais que les jeux ça se terminait en deux ans, euh, mais c'est pour tout le <laughs> monde pareil. On n'avait pas d'informations sur comment se passaient des projets de jeux vidéo en interne. Enfin, l'industrie, c'est une industrie qui est tellement opaque et tellement neuve qu'en fait on n'avait pas le. On avait tout un tas d'informations qui passaient pas. Mais moi c'est grâce mmh. à CIG que j'ai appris comment se développer un jeu et euh, surtout quelles mmh. étaient les embûches euh, qui devaient réussir à surmonter. Mmh. Ouais. Ah, ça m'a fait de la couille. En hein. bon, parlant pense... de, de thématiques mélangées, je trouve ça d'ailleurs incroyable euh, que à l'heure actuelle sur euh, le site Robert Space Industries, euh, CIG fasse un petit pied de nez justement à, à tous les joueurs. Euh, de MMO vieux de la vieille qui recherche du spatial en faisant un gros coucou à Yvonne Online à travers oui. un concours euh, des deux communautés je trouve ça juste ça. incroyable Mais... et, et, et d'après ce qu'ils disent c'est qu'en plus ça, ça vient juste d'un tweet complètement informel de, de chez EVE Online parce qu'il y avait euh, une histoire vous savez avec le Vulture oui, euh, oui, voilà, oui, qui oui. était le plagiat oui, de oui, je ne sais plus ouais. quel vaisseau dans Eve. Et voilà, c'est ça. Je crois qu'il y avait un, un Lego, quelqu'un qui avait posté un Lego du, du Vulture à l'époque, il y a un an. En dessous de ça, en réponse, il y a Evan Line le compte Twitter d'Evan Line qui dit que l'imitation voilà, est le meilleur des hommages, etc. Enfin, vous, vous connaissez mmh. la citation. Et depuis, les deux CM, enfin les deux Community Management euh, des deux jeux, se sont euh, voilà, un petit peu. Euh, euh, voilà, contacter, etc., pour dire, ah, ça serait pas mal de faire un truc ensemble. Et voilà, l'année d'après, ils sont ressortis avec cette initiative de faire un concours de Lego. Mais ça permet Et de. Comme Star Citizen. Ça permet de mettre en valeur un, un point qui est très important c'est que quand on parle en termes industrie. Ce n'est pas, euh, enfin, euh, chaque studio n'est pas cloisonné dans son coin, à faire ses trucs dans son coin, et euh, Ils sont pas ça, concurrents directs non plus, quoi. Mais non, mais non. Mais surtout les, les développeurs, c'est pas des gens qui vont euh, pas parler à tel ou tel développeur parce qu'ils font partie de, de tel studio. Ça marche pas comme ça. C'est, il y a énormément d'échanges qu'on ne voit pas entre les différents studios, on avait pu le voir côté euh, CIG et équipe euh, Unreal Engine, ouais. euh, ils avaient présenté une démo commune euh, euh, au niveau de la création de personnages pour ce qui allait être euh, la création de personnages dans l'Unreal Engine 5, et, uh, Gene, pardon. et ça, c'était à la JDC de euh, je sais plus quelle année, avec euh, les assets euh, Star Citizen euh, de perso. Et, euh, et ça avait fait bruit parce que oui, oui bien sûr que ces équipes-là euh, collaborent, enfin ou en tout cas échangent sur euh, ce qui est développé euh, dans l'industrie de manière générale. Heureusement, hein. intérêt, c'est ça que l'industrie progresse. Est-ce que tout se passe bien, mon cher Cib <laughs> Ouais, ouais, tout se passe bien. Juste les derniers réglages. <laughs> on y arrive. Oh là, il y, y, y a des caméras. Ça y est. <laughs> Les caméras, tout est en place, quasiment tout est en place. et Il me manque que moi. Voilà. Alors, je, je bave un peu. Je sors de mon cadre. Oui, c'est normal. Ah, je, euh, <laughs> si je dois tout, tout régler, tu, tu vas être écrasé, tu vas pas être jolie compagnie. Donc, euh, vous, vous sortez un petit peu du cadre. Oh. Euh... Est-ce que, est-ce que, est-ce que j'ai qui... senti <laughs> Donc commente. Euh, voilà. voilà. Ah. <laughs> Daniel, je dire que voilà. t'ai <laughs> senti venir Voilà, parfait. <laughs> Donc, euh, petite nouveauté que vous pouvez voir euh, sur Citizen Talk euh, lorsque euh, je vais parler, va y avoir oh, une... <laughs> il va y avoir une tête euh, qui, va, qui va apparaître, qui va avoir les yeux ouverts et compagnie. C'est mes techniques que j'utilise sur, sur mes lives de jeux de rôle. Euh, Excellent. Euh... Et euh, pareil pour les euh, pour l'animateur et pour les, les différents débatteurs, où lorsqu'ils vont parler vers ben leur cadre vont s'illuminer et vous allez les voir en mieux et lorsqu'ils vont pas parler ben euh, comme vous voyez actuellement ils sont légèrement grisés il y avait un petit carré euh, style off voilà euh, du coup super cool ce système voilà et c'est je, je, juste faire un test hein. vas-y fais ton test ça marche bien le... <laughs> Par contre, le cible, le, le, si, excuse-moi, mais le logo, là, tu sais, donc quand tu en train de parler, en, là, avec la bouche ouverte comme ça, après le Camille Camiderco <laughs> tout à l'heure. C'est horrible. Quoi. Oh mon dieu, quoi. C'est horrible. Oh. Ça crée une certaine ambiance. Voilà, on va dire ça. <laughs> en, en fait, cette image, elle est tirée des... Euh qui tu connais très bien d'ailleurs. C'est euh, encore plus tendancieux quand tu dis ça. Ouais. <laughs> en, en fait, c'est lié aux images de l'incapacité dans Donjons et Dragons et du, euh, oui. euh, et du silence. C'est celui qui, euh, oui. qui est silencieux en fait. Oui, voilà, carrément. les, les petites statues adorées dans Donjons et Dragons. Oui, oui. <laughs> voilà. Et donc, j'ai repris ce petit, ces petites images pour m'illustrer, on va dire, quand je vais parler. Okay. Eh ben, ben, je trouve que ça te rajeunit. Merci. <rire> <rire> donc, voilà. Eh bien, écoutez, il nous reste encore cinq petites minutes avant de lancer le débat. Euh... J'ai vu ton message, Audi. Est-ce que ce serait pas mieux de le faire maintenant, du coup, avant de lancer le débat par rapport au premier message. pardon, excusez-moi. <laughs> oui euh, Donc, je disais oui, pourquoi pas. Et aussi, sachant que là, en fait, je suis en train de préparer le tweet pour signaler qu que l'émission va véritablement commencer. Mm -hmm. donc, tout ça, moi, donc... Je vérifie il y a... Ah, c'est vrai qu'il peut-être que je remette à tous aussi. Est-ce que tu l'as je l'ai, je l'ai, je l'ai. Il faut que je que je le remette. Mais euh, est-ce qu'on ferait gagner des choses aujourd'hui En fait, Et oui. Ouais, il y a deux giveaways aujourd'hui à gagner. Quelque oh chose. Quelque chose me dit que je vais avoir un MP de Audi en fin de soirée. J'ai <laughs> un truc à ah, envoyer là. <laughs> Alors, je vais récupérer la première image comment envoyer Non, je veux aller sur le Discord parce que j'ai pas récupéré en fait l'image euh, que m'a envoyé mon cher ami Audi. Voilà. Et bien on ah, ouvrir hop. le lien. Hop. Je vais plutôt faire directement... Est-ce que je peux le capturer <laughs> J'adore la petite tête, ça va tellement bien avec la boue. Peu elle, de... elle est incroyable. Elle est incroyable. Je vais l'enregistrer plutôt. Enregistrer, je vais mettre dans Giveaway CT. Ok, hop. Du coup, hop, je reviens sur vous. C'est nickel. Parce que du coup, on, on voit toutes les, toutes les vidéos euh, que, que Audi t'envoie en MP, c'est parfait. Ben ouais, ouais, il y a plein, y a plein de petites choses qu'on qu se partage avec Audi, tu vois. Ouais. ouais. Oh, Par contre, euh, même pas. va falloir que qu'il qu y ait un changement de mot de passe de compte YouPorn, hein, parce que voilà. Totalement. Par contre, c'est bon, Snakem, on l'entend pas. Bah si, je suis là. Ah si, c'est bon. Mais okay. est il est rien. Juste qu'il est discret <laughs> en fait. Je peu silencieux. Je les laisse se concentrer. Non, parce que je sais pas. Sur le, sur le retour, je voyais que t'avais ta, ta, ta ton, ton micro qui s'activait, mais euh, je t'entendais pas. Donc, ça, je ah, que... j'ai peut-être pas encore bien réglé les sensibilités, hein, parce que c'est dans mon douche chez moi, entre les cartons et euh, le setup, tout n'est pas encore bien. <laughs> tu, tu as tu as un, tu as des, des splendides cartons snacker, je peux as dire. T'as vu ça En effet. Alors. Et <laughs> la belle bête. <laughs> Du coup, euh, pour le premier giveaway, oh on va vous faire gagner. On va, on va vous faire gagner un combo pack Aurora MR donc <laughs> Star Citizen Plus Squadron 42 et euh, une collection d'armes et d'armures. D'ailleurs, ces armures, d les armures euh, quirinus et les armes Gemini et Bering d'ailleurs. Trois Gemini, je vois oh. AO3 et euh, de Bering P6 LR. Sur des petits pistolets. Bien, cela. Est en effet. C'est euh, ce ce ça Ouais, c'est du <laughs> sniper, le DC. Ouais. En gros, une... voilà. <laughs> c'est à peu de choses près du calibre 50. 50. Ah, Je... En effet, c'est le, euh, le même contenu, c'est le même que, que que ce qu'on vous avait proposé donc, euh, le mois dernier. Oh. Euh, donc, les, le mois dernier, c'était par rapport pour un petit peu commémorer l'Invictus. C'est pour ça qu'on a mis cette collection d'armes et d'armures. Là, pour cette fois-ci, vu qu'en 3.17.2, il y a ce fameux événement. Le siège d'horizon euh, qui va un petit peu mettre à contribution justement euh, nos petites armes et armures. Juste euh, voilà, ne serait pas pourquoi pas comme ça au moins vous avez euh, le package pour vous tenir prêt pour cet event. Voilà. Je, je, je vois qu'Horos demande les armes et armures seulement. Je me tourne vers Derko. Est-ce qu'il s'est amélioré Horos euh... <laughs> avec enfin, euh, au niveau alors... des armes? <laughs> Comment dire Alors, maintenant, il y a plus que possibilités de récupérer les FS9. Donc, il ah en profite. Mais son dernier exploit, ça a été... Eh, on va se faire une mission à 90 000 dans un bunker, donc avec des boss à la fin. Euh, Je vais accueillir un des boss euh, à la sortie du, euh, de l'ascenseur avec un railgun. Hmm. Le problème, c'est que le tir est tombé euh, à un endroit, genre, soit sur l'arme, soit sur... Euh... Euh, un chargeur ou quoi que ce soit qui, je rappelle, bloque les balles. Et le temps, en fait, ça fait tomber le boss dans l'ascenseur. L'ascenseur s'est fermé et la mission a été échouée à cause de ça. <laughs> Bien vu. Oh bah, c'est bon, ça répond à ma question. Merci. <rire> <rire> Bonne chance, <en> <laughs> Horus. Ah Qu'est-ce qu'ils ont de la chance Et ouais, je rejoins Elbreich. Euh, Effectivement, c'est le meilleur vaisseau. L'Aurora. Vous ah, avez de la ça. chance. La base. Et tellement, mais tellement. Euh... Est-ce qu'on s'en Est qu sort, Sib euh, J'ai une mise à jour à faire, mais c'est pas grave. <rire> ah, <rire> toujours ah, toujours au meilleur moment <laughs> du monde, quoi. Toujours <rire> les <rire> mises à jour. Mais c'est pas grave, je suis rôliste. Vous êtes quatre invités. Je vais aller chercher un de mes fameux D4 que j'ai eu. Euh, dans Que je t'ai montré d'ailleurs, Silky. Oui, est bah oui dans ton calendrier D4 de, de l'avant. La la ouais, la ouais, bah oui. Euh, tiens, je vais prendre celui de Noël. Qu'à faire alors en 1 c'est Silky, euh, non en 1 pardon, c'est Derko en 2 c'est Kiro en 3 c'est Snack en 4 c'est Silky. Qui c'est que je vais demander de choisir un petit mot? Oh oh, Snack c'est ça va être toi qui va devoir choisir. Euh... Je vais choisir un mot, mais c'est pas Dayong qui choisit des mots généralement. Non, <laughs> mais c'est pour, pour, la... La pour la commande du, du, du lâche-touche, je suppose. Ouais. Ah Ah, oui, mais, mais, mais non, mais. <laughs> ça va finir en horreur <laughs> cette histoire. Euh... Ah ouais, non, mais là, je le sens, mais gros comme une maison. Ouais. <laughs> Alors, titre, Merde. mais oui. Bien joué. Ouais, très bien, je vais choisir. Du coup, je le partage. Ouais. Ah, oh, si je me trompe pas c'est capteur de fenêtre l'ash tools Yes, c'est bien comme ça oui Ou alors tu mets en capture d'écran et tu mets en plein écran Tools. Moi ce que je fais ça marche bien. Voilà. Ça marche aussi comme ça. Donc tu yes as dit. Alors n'oublie voilà, euh, voilà, pas de mettre le son SFX là, tout en bas à 10% parce que sinon les oreilles vont te... Et, et, le... les et les viewers vont, vont avoir ouais. aussi leurs leur mm -hmm. oreilles qui vont signer. Ouais. Mais euh, c'est offline, hein? Ouais, ouais, il faut qu'ils se connectent euh, au compte Pulsar. Alors, login. Autorisé. Tu veux que je te donne euh, tous les trucs qu'il faut? Oh, Normalement, c'est. Oups, something went wrong. Problem fitting Twitch username. Oh. oh. Euh... Bah, oui. Un conseil, ne le montre pas à l'écran. Hein. Ouais. <laughs> <Ouais. rire> ah oui, attends, si je m'en souviens quand j fait, quand, quand j'avais fait cette mise à jour, quand j'avais fait cette mise à jour, ça avait foutu en l'air le truc et je devais aller sur Lab Data ou je sais pas quoi à la con pour. À... Ouais, pour non, y arriver, là, quoi, euh, euh... Attends, tu peux ouais. enlever l'écran avant tout. quoi je... a raison. Alors. Ça. Peut renaître notre bouille en attendant. Ça. Et je... Plutôt, je vais vous montrer le deuxième giveaway que vous pourrez gagner en fin d'émission. Ah ah. Oh, Aussi. Noise. Effectivement, euh, l'Xiviat, euh, la est... technique et toujours euh, est toujours l'ennemi du streamer. C'est bien connu. Premier boss. Euh... Premier et dernier, je crois que c'est... <Donc. rire> Tank pour le second giveaway, c'est un giveaway que moi je vais vous offrir. C'est un combo pack Star Citizen Squadron 42 Mustang Alpha, upgradé en Esperia Talon, oh. avec une armure Aves et les quatre skins Talon. Oh, nice! Pas mal! Alors, le talon, parce que c'est un des chasseurs Varin j'adore les tévarins, et de deux, c'est parce qu'on a... Ah, Alien Week, voilà, merci hey, Alien oui. Il ben, y en a un qui suit, quand même. C'est ça. Ne te trouve pas Sinon, euh, petite astuce, je sais pas si là, comme ça, tu peux éventuellement le, f... le mettre dans le varlet j'ai mis en stream le Lashtoes, qui est directement connecté sur Pulsar et qui est prêt à mettre la commande et tout un toit euh, directement sur toi, directement sur ouais, toi. Ouais, bon, là, ça, ça fout en l'air, là, mais bon, c'est pas grave, hein, pour, juste pour le temps du giveaway. Euh, tu rajoutes juste une capture de fenêtre et hop, tu mets le, Alors, le je vais truc du stream. Sur, mais, mon truc, euh. Audi, ce tout. Tac <rire> Capture <rire> de fenêtre Audi, vraiment. <laughs> pas possible, hein. Discord, hop. Un bar, voilà. Ouais, euh. Mon cher Sib, euh... ouais, ouais. Oh, c'est bon, c'est passé. Voilà, <laughs> Tout simplement. Voilà, donc euh, bah écoute Snakem, euh, je, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir Ouais, oui, ouais, il a la commande d'avocat. Ah, tu suis inscrit, pardon. D'accord. Ah ouais. Ok. Alors juste euh, euh, pour vous dire oui, donc euh, que là nous allons faire donc euh, mettre en jeu donc le premier giveaway que que Sim Ninja vous a présenté hein, donc le combat. Quoi. Le, le combo pack plus euh, la collection d'armes et d'armures et je suppose que celui avec le l'esperia c'est ça en fait un talent, ce sera ce sera en fin d'émission en effet et je le marque maintenant je crois que, que ce soit en majuscule ou en minuscule euh, ça n'a pas d'importance la, euh, la commande pour le premier giveaway c'est point d'exclamation mr voilà voilà <laughs> deux consonnes oh. deux consonnes voilà rien de plus rien de moins euh, voilà, ça, euh, ça, ça non, commence à arriver. C'est quand même. Oh. <laughs> ah non, mais... hon hon honnêtement, honnêtement, ça me fait un peu mal parce qu'en Belgique, le MR, c'est le mouvement réformateur, c'est le parti libéral, tu ah. sais. C'est <laughs> en mode... Ah 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 à mon communisme. <laughs> Écoute, euh, mon cher Silky, ça me fait d'autant plus Allez-y, euh, allez-y. Euh, ouais. Voilà. Euh, donc, ce petit giveaway à gagner, sachant que euh, vous avez éventuellement la possibilité euh, de l'offrir à quelqu'un. Voilà. Euh, on fait un petit peu comme les d autres, euh, comme les dernières fois. Hein. Euh, si euh, cela ne vous tente pas particulièrement, mais que vous vous dites, ah, peut-être serait peut-être pas mal euh, pour euh, éventuellement l'offrir à quelqu'un euh, que je connais et qui serait éventuellement intéressé par le jeu. Un nouveau, ah, voilà, par exemple. Un nouveau, par exemple, et oui. Euh, bah voilà, il y a la possibilité donc d'envoyer à cette personne également. Donc voilà, oui. pas forcément obligé que ce soit que ça revienne à vous. Sachant qu'attendez, euh, vous, vous avez 36 participants, on est d'atteindre des 50 On est à 100, on est 130 quasiment là. On est 128 oh oh. viewers, on est 128 viewers. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je le rappelle, donc pour ce premier giveaway, c'est un combo pack Aurora MR, donc 15 42 tout agrémenté donc d'une collection d'armes et d'armures donc je crois euh, 3 kirinex euh, euh, armors et euh, 2 rrs je crois deux armures rrs légères avec donc euh, et des fusils sniper bering et Gemini. Hmm. du bien beau matos du bien beau matos bah, pauvre de, papa de quoi... pour le siège d'horizon voilà, voilà de quoi aborder le, le siège d'horizon hein, parce que waouh et Artimex, oui, heureusement, oui, j'ai confondu. Oui, c'est Kirinus et Artimex. Artimex. Voilà, c'est ça. Ça, ça. ça fait un peu nom de médicament. Je... Artimex, il y a un <laughs> petit truc. Matin, Samedi soir, euh, pendant 4 jours. La, seul, la seule armure qui vaut le coup, c'est l'Astalane. D'accord. Laquelle Astalane. Quelle Celle, celle qui a, a basse cuir. Ah la oui. Ah euh... oui. À... <laughs> Samus Aran et Mandalorian. Ah oui, Astalane Vista Baby, c'est ça Ouais. ouais. Oh, joli. <laughs> Ah bah si, si Ninja m'a demandé de d'annuler de l'émission donc euh, désolé hein faut faire avec hein Il y a les bons et les mauvais côtés Il y a les bons et les mauvais côtés tu sais hein, désolé faut faire avec Et là, cette -là elle n'allait pas trouver en jeu aussi il me semble C'est si, si tu peux la trouver en jeu mmh. Lootbox Ah d'accord Sur les épaves Va falloir que je fasse un peu plus de Lootbox <laughs> ouais, Après je rappelle que as 0,0 0... non 0,17% de chance de tomber dessus ah ouais, le tout-blouté est es super bas, quand même. Ouais, ils, ont, ils ont pas mal nerfé euh, ça en 3-17-1, justement. Le... Ouais. C'est dommage. Mais bon. <laughs> 49. Allez, encore un petit dernier pour, euh, pour le cinquantième. Le cinquantième, alors. Est-ce qu'on va l'avoir Et... Et on l'a On l'a bah, C'est génial bah, Écoute, euh, mon cher Snakem, vu que c'est toi qui as eu le... L'idée de la commande, je te laisse euh, bah faire le décompte. Oh, C'est parti. De pas trop loin s'il te plaît hein. <laughs> Ah bordel, j'allais commencer à 42, tu me fais chier. 3, 2, 1. C'est parti Un trou de mégaman, je m'y ferai jamais. Ah uh, uh, non, tu crois alors, quand j'entends, j'ai toutes les musiques qui reviennent de Megaman. Alors, ça commence à bien ralentir. Et... Alors, HarukaRizu02FR, c'est pas évident comme pseudo, j'ai sélectionné, il faut que tu te signes sur le chat durant les 45 prochaines secondes. Avoir de te faire manger par le converse. Et oui, et non ce n'est pas sale, pense aux fleurs. Waouh, c'est un peu l'ubus, sors de ce corps euh, Alors, titre, par... encore, ça, ça devient chelou oui, là quand même. carrément. Par euh... contre, si on, on, on nous dit dans l'oreillette que Derko est toujours un peu plus faible que les autres. Voilà, voilà. Mais je ne t'autorise oh, pas, je ne suis faux. pas plus faible. <rire> <rire> bah, il était clair, mais ça y est. Il est très fort. <laughs> et yes, donc GG à toi, donc, Arocarizo02FR, donc, qui a gagné donc, ce premier giveaway. Euh, je te fais un petit plop via MP Twitch, comme ça, j'ai ton contact. Et, euh... et donc, quand j'aurai le temps... Je te contacterai pour te demander euh, les coordonnées qu'il faut. Ton numéro de carte de crédit, le numéro de confirmation. Enfin, ça, c'est l'habituel et compagnie. Voilà. Exactement. Et, et je vois. Rec... Et voilà. Parfait. Donc, c'est bon comme ça. Super. J'ai ton fermé, contact. Du coup, ton. Euh, le, le yes. Live, te plaît. Voilà. Merci. Et normalement, au niveau de l'overlay, tout rentre dans l'ordre, non? Voilà. voilà. C'est bon Presque. pour l'overlay. Yay, parfait. Bah voilà. Nickel.